Le take-off, c'est sans doute l'étape la plus importante mais aussi la plus difficile du surf. Salut, moi c'est Alex de la chaîne Ridezone et aujourd'hui on va parler du take-off. Il y a déjà un paquet de vidéos sur YouTube à propos du take-off, donc je vais essayer d'avoir une approche un peu différente que seulement vous détailler le mouvement. En général, si vous faites du surf, c'est que le mouvement du take-off vous le connaissez, donc ça va être un peu barbant. Avant de commencer, je te laisse t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos, et puis dès que c'est fait, bah on peut y aller. Bon alors le take-off, qu'est-ce que c'est? Bon le take-off c'est pas compliqué, tu sautes sur ta planche et puis tu surfes. Voilà, allez merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao. Bisous. Bon, sérieusement, le take-off c'est un passage obligé du surf et c'est bien pour ça que c'est super important de le faire correctement et sans gestes parasites. Le take-off c'est vraiment une base à travailler à toutes les sessions. Aujourd'hui on va pas voir le take-off en lui-même, mais plutôt les erreurs qui empêchent les débutants de bien réussir leur take-off. Ça va être compliqué de tout voir, mais je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous allez déjà être en mesure de faire progresser votre take-off. Donc avant de parler du take-off, on va commencer par parler de la lecture de vagues. Je vois beaucoup de débutants ne pas réussir à prendre de vagues, pas forcément à cause de leur take-off raté, mais surtout à cause de leur mauvaise lecture de vagues. J'en vois beaucoup essayer de se lever alors qu'ils ne sont pas encore emmenés par la vague. Il faut vraiment avoir ça en tête, d'être emmené par la vague avant de commencer à vouloir faire son take-off. Soit vous êtes trop loin du bord et alors vous n'allez pas réussir à prendre la vague et à vous faire emmener par celle-ci. Soit vous êtes trop près et alors la vague va vous casser dessus et là c'est la machine à laver assurée. Alors avant de commencer à travailler votre take-off, soyez sûr de bien lire les vagues et d'être bien placé, ça va vraiment vous aider. Ok, la deuxième erreur que je vois souvent, c'est les gens qui ont le genou sur la planche au moment de faire leur take-off. C'est une erreur qu'on retrouve souvent chez les débutants parce que c'est vrai que ça apporte beaucoup de stabilité de venir placer le genou arrière sur la planche. Surtout sur les grosses planches ou dans les mousses où là vous allez commencer à faire vos take-off et ça va être rassurant de poser ce genou. Mais franchement, je vous le dis, c'est vraiment une mauvaise habitude, donc essayez de vous en défaire le plus vite possible. Ça va vraiment freiner votre progression et dès que vous allez vouloir passer sur des planches plus petites ou commencer à surfer des vagues lisses, ça va vraiment vous gêner. La troisième erreur qu'on va voir, c'est de ramener les jambes en sautant. Alors ça, c'est une erreur que moi, personnellement, j'ai fait pendant longtemps et que là, j'essaye de corriger. Donc cette erreur, elle va vraiment vous gêner parce que vous allez déjà avoir peu d'équilibre. Ok, vous allez souvent arriver avec les jambes de face, en fait, comme si vous effectuez un burpees, donc avec les jambes qui arrivent face, et donc vous allez être dans la position du skieur, en fait, ce qu'on ne veut pas, nous, parce que quand on surfe, on est plus de profil par rapport à la planche, ou alors vous allez vous retrouver avec vos pieds mal positionnés, soit sur le côté de la planche, ce qui va vous gêner pour ensuite essayer de tourner sur la vague, soit trop en avant, soit trop en arrière. Ok, donc il va vraiment falloir changer ça. Ok, la quatrième erreur qu'on va voir, c'est ceux qui font leur take-off en ne plaçant pas leurs genoux avant entre leurs bras. C'est vraiment un point de repère très important. En effet, quand vous allez venir placer votre jambe avant devant vous, ok, il va falloir placer ce genou entre vos coudes. Alors pourquoi c'est important? Bah déjà c'est important parce que c'est un bon repère qui va vous dire si votre pied est bien placé au centre de la planche et surtout au bon endroit. Si votre genou est placé sur le côté ou pas entre les jambes, ça veut dire que votre pied est trop loin du devant, donc trop en arrière, donc votre poids va être sur l'arrière, ou alors qu'il est même sur le côté et du coup ça va vous déséquilibrer, détruire votre take-off et vous empêcher de poursuivre et de longer la vague dans le lisse. Ok, une sixième erreur, c'est de regarder ses pieds au moment du take-off. Ça encore, ça va être un gros problème parce qu'en surf, là où on regarde, c'est là où on va. Donc si vous regardez vos pieds, vous allez forcément faire un tout droit, ce qui va vous empêcher de longer la vague et de surfer dans le lisse. Ok, vous allez être bloqué dans la mousse et faire un tout droit. Et c'est pas ce que vous voulez. Pour cela, il va vous falloir lever le regard, ok, pour regarder là où vous en avez envie. Donc avant de prendre votre vague, vous allez choisir un côté, ok, et vous allez regarder dans la direction où vous souhaitez aller. C'est vraiment pas évident et moi je sais que personnellement sur certaines vagues j'ai encore du mal à le faire. Un bon exercice pour savoir si on le fait ou non, c'est de surfer avec la GoPro en bouche. Vous allez vite voir en dérochant vos vidéos si vous regardez votre planche, vos pieds ou si vous regardez dans la direction de là où vous avez envie d'aller.
Là par exemple sur ce take-off, on voit clairement que je suis en train de regarder mes pieds et du coup c'est vraiment pas bon. Là pour le coup, j'ai le regard qui va chercher bien loin et qui m'aide à pousser mon take-off dans le lisse. Ok, une autre erreur que je peux voir sur le spot chez les débutants, c'est de faire son take-off en montant les fesses plus haut que la tête. Pourquoi c'est une erreur? Bah déjà parce que en ayant la tête vers le bas, vous n'allez pas avoir une super vision et comme on l'a vu juste avant, il faut que vous ayez le regard vers là où vous avez envie d'aller. Donc si vous commencez à être en dessous, ok, de vos fesses, ça va être plus compliqué pour vous de lever le regard pour aller regarder. D'autre part, ça va vraiment vous déséquilibrer parce que une fois que vous allez vouloir vous remonter les épaules, vous allez devoir effectuer un gros mouvement d'épaule vers le haut, ce qui va vraiment soit lancer le corps, lancer le poids vers l'arrière et du coup vous déséquilibrer et vous faire rater votre vague. Sinon, si tu restes dans cette position avec les épaules très baissées, ce qui n'est vraiment pas esthétique et qui ne te permet pas de surfer correctement, ça va vraiment te gêner dans ton surf. Donc pense à rester bien droit en montant d'abord les épaules, la tête, en regardant bien devant toi, puis ensuite placer les jambes avec les fesses sous la tête. L'objectif étant de pouvoir regarder facilement devant toi et aussi d'être équilibré pour pouvoir tourner rapidement. Ok, une dernière erreur, c'est d'avoir le corps qui n'est pas droit sur la planche, qui est penché sur un côté. C'est une erreur qu'on peut retrouver chez les débutants qui commencent à longer leur première vague. En effet, du coup, quand ils font leur take-off, ils cherchent à vouloir emmener la planche sur le côté pour pouvoir longer la vague et s'extirper de la mousse et vouloir longer la vague. En soi, quelque chose qui est bien, mais pour cela, ils essayent de pencher leur corps sur le côté, ce qui est déséquilibre parce que la planche, elle continue à aller tout droit et eux, en essayant de se pencher, déséquilibre, mettre leur poids du corps à côté de la planche et du coup ils tombent. L'important c'est vraiment de garder le poids du corps au-dessus de la planche. Rappelez-vous que le surf c'est quand même quelque chose de super sensible, donc dès que vous n'allez pas faire les choses correctement, vous allez payer cash et en général c'est la chute. Ce qu'il faut faire, c'est avant même d'avoir commencé son take-off, avoir choisi la direction où on veut aller et essayer de commencer à ramer dans la direction choisie. Okay, une fois qu'on l'a fait, on peut aussi s'aider de ses mains au moment du take-off pour diriger la planche, mais tout en gardant le poids du corps au-dessus de la planche. À partir du moment où on va mettre le poids du corps sur le côté, c'est quasiment sûr qu'on va tomber. Le plus important à garder en tête, c'est bien sûr de garder le poids du corps au-dessus de la planche et de commencer à tourner uniquement quand les pieds sont posés sur la planche. Ok, donc pour conclure, on va quand même faire un dernier rappel des étapes du take-off. Le mouvement du take-off, en soi, il est vraiment très basique. On va le diviser en 4 étapes. Première étape, tu es en position de rame, tu rames jusqu'à ce que tu te fasses emmener par la vague. Une fois que tu t'es fait emmener par la vague, tu peux passer à l'étape 2. L'étape 2, tu ramènes les mains à plat sous les épaules, tu viens pousser à fond sur les bras pour monter le buste. Étape 3, tu remontes les jambes de façon dynamique, sans poser les genoux sur la planche. Tu viens d'abord placer ton pied arrière sur le pad arrière, puis le pied avant en plaçant ton genou entre les coudes. C'est vraiment super important d'avoir bien le genou entre les coudes, ça signifie que tu as bien ton pied qui est bien placé au milieu de la borne. Enfin, l'étape 4, tu vas pouvoir retirer tes mains tout en te redressant et en laissant ton poids sur la jambe avant. Ça aussi, c'est vraiment super important d'avoir le poids sur la jambe avant parce que si ton poids est sur la jambe arrière, tu risques de basculer en arrière et donc de te faire déséquilibrer et de tomber. Ou alors ça va fortement te freiner et t'empêcher de surfer la vague correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé sur votre take-off. Surtout, n'hésitez pas à répéter, que ce soit chez vous, par terre, sur votre planche, sur la plage, avant d'aller la session, dans les mousses pour commencer, puis enfin sur les vagues avec du lisse. Surtout, n'hésitez pas à répéter, c'est vraiment ce qui va vous aider à progresser et qui va faire que vous allez avoir un take-off de plus en plus régulier. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, ça nous fait super plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Lison, c'est vraiment une très bonne chaîne. Allez, lâchez des j'aime et surtout, n'oubliez pas de follow.